Want to speak real French from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FrenchPod101.com. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, Conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are three proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 Common Words, also known as our Core List. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors, plus tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free Lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hi! Welcome to Introduction to French. My name is Alicia, and I'm joined by. Hi everyone, I'm Candice. In this series, you'll learn everything you need to know to get started learning French. That's right, and we're here to help guide you through your journey. In this lesson, you'll learn the reasons why you should start learning a new language, why you should learn French in particular, and how to get started. There are countless reasons, but perhaps the biggest one of all is that it could actually change your life. Learning a new language unlocks new pathways that are off limits to you now. There are certain things that you simply cannot do without having the technical or cultural skills that come from learning a new language, like working or living in another country. Knowing another language provides you with greater job opportunities. You have the freedom to move to another country halfway around the world and be able to earn a living, or even better yet, build a career from it, instead of just being stuck in one place. Language allows you to visit or live in places that you may never have even considered going simply because that wasn't a possibility for you. Knowing another language simply gives you more options to choose from. And learning a new language also helps you to be more open-minded and see the world from a new perspective. Language and culture go hand in hand. The world is a big place, and by broadening your understanding of other cultures, it allows you to be more empathetic and understanding of the many different ways that people live their lives. With language, you're able to see and experience more, which helps you to grow as a person. Learning a new language also improves your memory. Several studies have consistently shown that those who study another language have improved memory as opposed to those who didn't learn another language. Learning another language also keeps your brain healthy by significantly delaying the onset of Alzheimer's and dementia. This difference can be as much as four to five more years of quality life. And those are just some of the reasons you should learn another language. The list just goes on and on. Now you know the benefits of studying another language, but why should you learn French in particular? A good portion of the world speaks French. In fact, over 200 million people speak French across five continents. French is spoken in many countries around the world, and it's an official language in many countries, like Belgium, the Seychelles, Canada, Cameroon, and many more. Moreover, French is the second most widely learned foreign language after English. So the number of speakers is growing rapidly. It's currently the ninth most spoken language in the world. And what about the fact that France is the sixth largest economy in the world? The aerospace industry in France is huge. There's a special cluster of aerospace engineering companies and research centers in France called the Aerospace Valley. And of course, French wines are a lucrative industry as well, not to mention perfumes and cosmetics. Knowing French then opens up many career and business opportunities for you. If you want to visit France, you must be warned. The majority of French citizens do not like or aren't able to speak English even in tourist places like paris if you make an effort to speak french and to learn the culture however you will be much more warmly welcomed learning french will help you during your trip even if you're a beginner french people will treat you much more nicely okay then we've talked about why you should start learning a language and why you should start learning french but how can you get started candice well, it's as simple as learning your first word in French and building up from there. The good news, though, is that you already know some French. Mirage, facade, encore, souvenir. These are all French words that you will easily recognize because these words exist in English, too. This is because both English and French are derived from Latin. In fact, roughly 30% of all English words used today share their origins with French words. Not only this, but there are also English loan words used in French. Words such as babysitter, bacon, weekend, super are all English words that are used in French on a daily basis. This means that you already know a very large portion of French vocabulary. Yes, that's right. So learning French is much easier than you think. Okay, let's teach you something that you might not know, but it's very useful. Merci. It means Thank you in French. It's one of the most basic phrases and perhaps one of the most useful phrases for you to learn. Merci. Now you try. Merci. One more time. Merci. You can also add beaucoup to add greater emphasis. Merci beaucoup. Try it. Merci beaucoup. One last time. Merci beaucoup. Well done. Now you know how to say thank you in French. We've covered a lot of things already, so why don't we wrap up the first lesson and recap what we've learned? In this lesson, you learned that studying another language has many benefits, such as providing new job and business opportunities. Learning French will allow you to experience more of the culture, and to say thank you in French, it's Merci or Merci beaucoup. See you in the next lesson. Bye. Bye. Hi! Welcome to Introduction to French. My name is Alicia and I'm joined by. Hi everyone, I'm Candice. In this lesson, you'll learn the basics of French pronunciation. In the previous lesson, you learned that roughly 30% of all English words share their origins with French words. Because of this, French pronunciation is quite similar to English. In fact, there are more common sounds than there are different ones. For example,. Bouh. Sandwich, din, gain. Chances are you can imitate these words without much difficulty because these words use common sounds that exist in English. Of course, there are a few differences between French and English sounds too. Agneau, roux, huit, son. These unfamiliar sounds are the ones that you need to focus on and practice. Let's take a look at some of those sounds. A big aspect of French pronunciation relates to nasalization. Nasalization simply means to pronounce something through the nose. For example, the M and N sounds are considered nasal consonants because the air escapes your nose when you pronounce these sounds. M mm, mm. In French, some vowels can be pronounced through the mouth or "through the nose. Compare oral vowels with nasal vowels in French. Une, un, sonne, son, son, certain, certain. Nasal vowels are used often in French, so it's important that you learn them in the near future. Another unique French sound is the guttural R sound. <coughs> Rou, rester. This R sound is pronounced at the back of the mouth. It sounds almost as if you're gargling. <laughs> Lastly, let's take a look at the French U sound. U, chute, rue, tu. To pronounce this sound, try saying E as in C and then from there, slowly run your lips. U. French is renowned for being a language full of silent letters, particularly at the end of words. Consider the following Je vais manger au restaurant. The S in the word vais, the R in the word manger, and the T at the end of restaurant are all silent letters. We don't actually pronounce them in French. Listen to it again Je vais manger au restaurant. In fact, most of the time, the last letter of a French word is actually silent. Coup, froid, vous. There are, of course, exceptions to this rule. Let's look at the most common case when the next word starts with a vowel. Ordinarily, the final letter of a French word is silent. Vous. The final S in this word is silent, but when the next word begins with a vowel, vous avez. The S is no longer silent and is instead pronounced like a Z sound. Vous avez. The two words are connected by the Z sound and pronounced as if they were a single word. This linking of words through the activation of the silent letter is a common phenomenon in French known as liaison. It's the special quality which makes French sound the way that it does. Let's look at a few more examples of liaison in action. Tout tout homme un un ami neuf neuf ans gentil gentil enfant. liaisons may seem a little difficult to learn at first but they will only get easier and more intuitive by the time you get used to pronouncing whole sentences in french okay let's wrap up this lesson by recapping what we've learned in this lesson you learned that there are more familiar sounds than unfamiliar sounds in french. We showed you some unfamiliar sounds like nasal vowels, the guttural R, and the French U. You also learned that the final letter in a French word is usually silent, and that the letter becomes active if the next word starts with a vowel. This process is known as liaison. Hi! Welcome to Introduction to French. My name is Alicia, and I'm joined by Hi everyone, I'm Candice. In this lesson, you'll learn the basics of French grammar. In some languages, like French, nouns are divided into different classes. For example, French divides nouns into two classes using gender masculine and feminine. Let's take a look at some masculine nouns. Lit, fromage, village, livre. Now, feminine nouns cuillère bou revue syllabe There are some rules for learning the gender of French nouns, but they're quite complex. Many consider the designation of gender to be largely arbitrary, so it's likely that you'll just have to memorize them. Okay, so now you know that nouns are divided into gender classes, but why is this important? Learning gender nouns is important for forming sentences in French. For example, le means bed in French and it's a masculine noun. If you want to refer to the bed in a sentence, however, you need to add le before the noun. Le lit. In fact, if you want to refer to any masculine noun in French, you need to use le or un. Le fromage. Le village. Un livre. On the other hand, we use la and une to refer to feminine nouns la cuillère la boue une revue une syllabe now you know how to refer to nouns in french similar to nouns french verbs can also be separated into different classes there are three classes of verbs in french and they are verbs ending in e manger nager travailler Aimer. Verbs ending in ir, finir, ralentir, réagir. And verbs ending in re, voir, and ir, mourir, recevoir, lire. Each class of verbs will be conjugated differently when used in a sentence. Let's take a look at a few examples to see how they differ. To swim is nager in French and it comes from the first group because it ends in e I swim in the present tense would be je nage past tense would be je nageais and the future tense would be je nagerai let's compare that to a verb in group 2 to finish is finir in french and it comes from the second group because it ends in ir je finis je finissais je finirai Finally a verb from group 3 To read is lire in French and it comes from the third group because it ends with re Je lis je lisais je lirai We'll teach you how to properly conjugate verbs of different classes in future lessons For now just know that there are 3 different categories of verbs in French Okay, now you know about nouns and verbs in French. Let's learn how to form basic sentences in French. Forming sentences in French is quite simple, especially for English speakers, as French uses the same word order as English. Consider the following example Le garçon mange un gâteau. In English, this sentence means the boy eats a cake. If we break down the French sentence, we can see that the order matches the English sentence one to one. Le, de, garçon, boy, mange, eats, un, e, gâteau, cake. We can create basic sentences in French simply by exchanging English words for French words. Notice how we use un here. Because gâteau is a masculine noun. If the object had been a feminine noun, we'd have used une instead. We can create any basic sentence in French by starting with a subject. In this case, the boy. Le garçon. Then follow it with a verb, eats. Mange. And finally end with the object, the cake. Un gâteau. As you can see, the word order in French is just like English. Finally, let's learn how to create negative sentences in French. Negating sentences in French is simple. Simply add ne before the verb and pas after it. J'ai, je n'ai pas. J'aime lire, je n'aime pas lire. Juliette mange, Juliette ne mange pas. You can negate any basic sentence in French this way. Well done. Let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. In this lesson, you learned that French nouns are divided into two classes, masculine and feminine. Similar to nouns, French verbs are divided into three groups. French uses the same subject verb object word order like English. And finally, you learned how to negate sentences in French. We've covered only the very basics of French grammar. If you're interested in learning more, check out our French in Three Minutes video series. In that course, we teach you useful phrases while covering the fundamentals of French grammar, and each lesson is only three minutes long. Hi! Welcome to Introduction to French. My name is Alicia, and I'm joined by. Hi, everyone! I'm Candice. In this lesson, you'll learn the basics of French writing. French uses the exact same alphabet as English, the Latin alphabet, which consists of 26 letters. Unlike English, however, French also uses a few accents that can be added to vowels and this other character known as the cédilla. These characters aren't recognized as distinct letters in French, though. Let's take a look at these accents in a bit more detail. Accents are simply markers that appear on top of letters to indicate some extra information. What that information represents depends on the type of accent. Accents may look intimidating at first, and their function may seem complicated, but in fact is quite simple. Once you understand them, they actually help you rather than confuse you. There are a total of 5 accents in French, 4 of which appear over vowels and 1 for the letter c the acute accent, the grave accent, the circumflex, the diaeresis, and the cedilla. Not all accents can be used with all vowels, so only certain accents will appear over certain letters. The acute accent, for example, can only appear over the letter e. e It looks like a rising diagonal line going from left to right. You'll never see this accent used with any other letter in French. The acute accent indicates that you must pronounce the e as follows: it sounds like the e in hey. appel, appelé, chante, chanter. so whenever you see this accent, pronounce the e as follows: e. next is the grave accent. it looks like a falling diagonal line going from left to right. this accent can only appear over the letters a, e, and u. This accent helps distinguish between words that would otherwise be spelled the same. For example, A and A, U and "U." When it appears over the letter E, however, it indicates that you must pronounce it as follows E, E. It sounds like the E in BET. MER, Next is the circumflex accent. It looks like a little rooftop. It's used to indicate a change in pronunciation and to distinguish words that would otherwise be spelled the same. The circumflex appears over all vowels. An e with a circumflex accent on top is pronounced exactly the same way as the previous grave accented e. A, a. Like the e in bet. fish. fet. An a with a circumflex accent on top is pronounced a a it sounds like the a in father but at château an i with a circumflex accent on top does not affect the pronunciation of a word it exists merely due to historic purposes relating to a word nètre abîme naître. And like I, a U with a circumflex accent does not influence the pronunciation of a word. However, it is sometimes used to distinguish words that would otherwise be identical. Sur, sur, du, du. The next accent is the diarysis. It looks like two small dots, and it can appear over the letters E, I, U, and Y in French. Whenever this accent appears above a letter, it indicates that you must pronounce this letter separately from the preceding syllable. For example, Naive, Noel, Maïs. The cedilla is a C with a special hook underneath. The function of the cedilla is simple it changes the pronunciation of the letter C from a K to an S sound. So ordinarily, a French C would be pronounced "casse," but a cedilla would be pronounced "sa," like an S sound. Like English, French capitalizes the first letter at the beginning of a sentence. Je mange du pain. Unlike English, however, there are a number of words which are not capitalized in French. The personal pronoun for I is capitalized in English but not in French ils pensent que je suis bête. for example days of the week are capitalized in english but not in french lundi mardi mercredi months of the year aren't capitalized either janvier février mars nor are languages le français l'anglais le russe consider the following example. Le quatorze juillet, c'est la fête nationale française. Notice how July and French are not capitalized. J'apprends l'espagnol. I is capitalized here because it's the first letter at the beginning of a sentence, but Spanish isn't. There are some more capitalization rules, but those are the most common ones you'll encounter. Well done. Let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. In this lesson, you learned that French uses the same Latin alphabet as English, consisting of 26 letters. Additionally, there's also the acute accent, grave accent, circumflex, diaresis, and cedilla, which are used to accentuate certain letters. You also learned that I, days, months, and languages aren't capitalized in French. Hi! Welcome to Introduction to French. My name is Alicia, and I'm joined by Hi everyone, I'm Candice. In this lesson, we'll focus on teaching you the most useful French words and phrases for absolute beginners. Make sure you're repeating the words out loud after I say the examples. Are you ready? Let's get started. The best phrase to learn when studying a new language is one that expresses gratitude and appreciation. If you had to learn only a single phrase, this would be it. We taught you this phrase in the first lesson of this series. Do you remember what it was? Merci beaucoup. It means thanks a lot. Merci beaucoup. Keep repeating after Candace until you get it. Merci beaucoup. Your turn. Merci beaucoup. Merci beaucoup. One last time. Merci beaucoup. Okay, the next phrase we'll teach you is perhaps the second most useful of all phrases. It's to apologize or to excuse yourself. Excusez-moi. It means excuse me. Excusez-moi. Use this phrase when you're hustling through the busy streets of Paris. Excusez-moi. Your turn. Excusez-moi. Once more. Excusez-moi. Okay, one last time. Excusez-moi. Well done. You can also excuse yourself by saying Pardon. Try it. Pardon. And again. Pardon. One last time. Pardon. If you want to apologize directly for something you've done, you can say Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. One more time. Je suis désolé. Well done! Now you can say thank you, excuse me, and I'm sorry in French. Let's move on. Asking where something is is an incredibly important and useful phrase to learn. You're going to need this when you're asking where the bathroom, the train station, or where the hotel is. To ask where something is, say, Pouvez vous me dire où se trouve? And then add the place or location. Pouvez vous me dire où se trouve? Pouvez vous means can you? Me dire means tell me. Où means where? And se trouve? means is located. Altogether, it means can you tell me where something is located? For example, if you wanted to say can you tell me where the bathroom is located? We would start with Pouvez-vous me dire où se trouve and then add the bathroom. Les toilettes. Pouvez-vous me dire où se trouvent les toilettes? Try it. Pouvez-vous me dire où se trouvent les toilettes? Pouvez-vous me dire où se trouvent les toilettes? For the train station, it would be la gare. Pouvez-vous me dire où se trouve la gare? Pouvez-vous me dire où se trouve la gare? And for the hotel, l'hôtel. Pouvez-vous me dire où se trouve l'hôtel? Pouvez-vous me dire où se trouve l'hôtel? You can also add Excuse me before you ask where something is to be polite. Excusez-moi, pouvez-vous me dire où se trouve l'hôtel? You can ask where anything is by saying Pouvez-vous me dire où se trouve? And then adding the place or location. In this final lesson, you learned how to say thank you, excuse me, I'm sorry, and to ask where something is in French. And in this series, we introduce you to the basics of French pronunciation, grammar, writing, and more. Let's conclude with some parting advice from Candice and listen to some of her tips on how to learn French from a native French perspective. The best way to begin learning French is to start with simple words and build up your vocabulary. From there, you can start learning simple phrases and creating basic sentences. Don't concern yourself too much with articles and complex grammar when first starting out. Focus on stringing together words. Your goal is to communicate, and you don't have to be grammatically correct to do that. Learning basic word order and using the vocabulary that you know can get you a very long way. Remember, French uses the same subject, verb, object, word order as English. Focus on this aspect, and you'll be able to speak French in no time. Lastly, learning French like any language requires you to immerse yourself in the language. Exposure to the language is key. One simple thing you can do to immerse yourself is to watch contemporary French videos like our videos here at FrenchPod101.com. This will ensure that you're learning real, applicable French in the fastest way possible. You've reached the end of this course, Introduction to French, but it's only the beginning of your journey to French fluency. Where do you go from here? Try our innovative French culture series, where we teach you beginner vocab and even more useful phrases, or check out any of our other video series. We have many different categories for you to choose from. Good luck as you continue learning French, and I'll see you in another video. Bye! Bye! So welcome back, watchers. This week we're gonna be talking about ten phrases you always want to hear. This will be nice. So what do you want to hear? You're so pretty. Il y aura un bonus à la fin du mois. There will be a bonus at the end of the month. Ah, this will be so nice. So sad it's not true. <laughs> yeah, if your boss tells you this, the, il y aura un bonus à la fin du mois. Then you get extra money, isn't it nice? If I had the bonus, I would not come to work anymore and go traveling somewhere. Le budget est illimité. The budget is unlimited. This also sounds nice. Like if you put me in a store with le budget est illimité, I would buy lots of and lots of food and drinks too. Allons au restaurant avec un budget illimité. Let's go to the restaurant with an unlimited budget. Prenez une pause, je vais faire le ménage aujourd'hui. Take a break, I do the cleaning today. So, this is also the polite version. So, if you want to talk more casually, is Prends une pause, je vais faire le ménage aujourd'hui. pause, I'm doing the dishes and the cleaning, everything. Just sit down and enjoy. This would be nice. Yeah, this is also something I want to hear. Et vous gagnez, and you win. Et vous gagnez, and you win, yeah. What do I win? Et vous gagnez un voyage en Amérique, and you win a trip to the USA. Ooh, ooh. from East Coast to West Coast, starting with New York and going to Chicago, and maybe visit some friend in the South, and then go all the way to California, and then be in Las Vegas, back to California, and from California, take a plane ticket to Japan. Tu me manques, I miss you. Oh. Tu m'as manqué. I missed you. You know you're a night and you're all fluffy together. Vous avez fait un excellent travail. You did a great job. A hey, great job today, yeah. Thank you. So if you manage to learn all those French sentences, vous avez fait un excellent travail. Vous aviez raison. You were right. I told you so. If someone recognize that you were right and tell you so, that's nice. Vous êtes un excellent cuisinier. You're an excellent cook. Tu es un excellent cuisinier. This is one I often get. So do you get this comment Vous êtes un excellent cuisinier. If so, what did you cook to get that comment Leave it in the comment. Tu es jolie. You're pretty. Oh, you look so pretty today. Oh, tu as l'air très jolie aujourd'hui. Only today. Je vous ai apporté quelque chose de spécial. I brought you something special. What could be quelque chose de spécial? I would like to be given a kitten. Is your cute. So, vous avez fait un excellent travail aujourd'hui. So you did a great job today and see you next time. Don't forget to subscribe to learn more French. Au revoir. Un homme et sa femme regardent des plans de logement. Quels logements vont-ils visiter? Que penses-tu de celui-là? Il a un grand et agréable séjour. Mmh, J'aime bien les grands salons, mais j'aimerais avoir une place de parking. Voyons voir. Et celui-là? Ouais, sympa. On le visite? Attends une minute. Le placard est pas un peu petit? Bien vu. Mmh. Il semblerait que celui-là n'est pas aussi parfait. Oh, et celui-là Il a tout ce qu'on veut, non Et le placard est assez grand aussi. Allons voir celui-là. Ok. Quels logements vont-ils visiter Un homme et sa femme regardent des plans de logement. Quels logements vont-ils visiter Que penses-tu de celui-là Il a un grand et agréable séjour. Hum, mmh, j'aime bien les grands salons, mais j'aimerais avoir une place de parking. Voyons voir. Et celui-là Ouais, sympa. On le visite Attends une minute. Le placard est pas un peu petit Bien vu. Hum, mmh, il semblerait que celui-là n'est pas aussi parfait. Oh, et celui-là Il a tout ce qu'on veut, non Et le placard est assez grand aussi. Allons voir celui-là. Ok. Un homme fait une réservation d'hôtel. Dans quelle chambre va-t-il s'installer Si ça est d'hôtel, comment puis-je vous aider Bonjour, je voudrais réserver une chambre pour la nuit du 22 septembre. Très bien. Le 22 septembre au soir. Combien de personnes Deux. Voulez-vous une chambre fumeur ou non fumeur, monsieur Non fumeur. La seule chambre non fumeur disponible à vue sur la montagne. Cela vous convient-il Ah, j'espérais avoir vue sur la mer. Je suis désolé, mais la seule chambre disponible avec vue sur la mer est une chambre fumeur. Je vois. Y a-t-il une telle chambre non fumeur disponible le 23 septembre oui, il y en a une. Très bien, nous réservons pour le 23. Dans quelle chambre va-t-il s'installer Un homme fait une réservation d'hôtel. Dans quelle chambre va-t-il s'installer Si ça est d'hôtel, comment puis-je vous aider Bonjour, je voudrais réserver une chambre pour la nuit du 22 septembre. Très bien. Le 22 septembre au soir, combien de personnes Deux. Voulez-vous une chambre fumeur ou non fumeur, monsieur Non fumeur. La seule chambre non fumeur disponible a vue sur la montagne. Cela vous convient-il Ah, j'espérais avoir vue sur la mer. Je suis désolé, mais la seule chambre disponible avec vue sur la mer est une chambre fumeur. Je vois. Y a-t-il une telle chambre non-fumeur disponible le 23 septembre Oui, il y en a une. Très bien, nous réservons pour le 23. Une femme discute avec son coiffeur. Comment veut-elle se faire coiffer Bonjour, puis-je vous aider Bonjour, j'ai rendez-vous à 3 heures au nom de Rishi. Ah oui, bonjour Madame Rishi. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui Je voudrais changer un peu de style de coiffure. Ok. Quelle longueur voulez-vous À peu près aux épaules. Très bien. Et votre frange On garde la frange. Droite ou un peu sur le côté Un peu sur le côté. Lequel Un peu à gauche. Ok. On commence avec le shampoing par ici, s'il vous plaît. Comment veut-elle se faire coiffer? Une femme discute avec son coiffeur. Comment veut-elle se faire coiffer? Bonjour, puis-je vous aider? Bonjour, j'ai rendez-vous à 3 heures au nom de Richie. Ah oui, bonjour Madame Richie. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je voudrais changer un peu de style de coiffure. Ok. Quelle longueur voulez-vous À peu près aux épaules. Très bien. Et votre frange On garde la frange. Droite ou un peu sur le côté Un peu sur le côté. Lequel Un peu à gauche. Ok. On commence avec le shampoing par ici, s'il vous plaît. Deux étudiants, un garçon et une fille, regardent des petites annonces de job. Pour quel travail l'étudiante va-t-elle postuler Eh, hey, tu penses quoi de ce job Le taux horaire est assez élevé. C'est sûr, la paye est géniale, mais tu penses vraiment pouvoir faire de la livraison de journaux Bien sûr, je suis bonne en vélo, mais ça m'embête de me lever tôt. Et ça C'est pas aussi bien payé, mais tu peux travailler deux ou trois jours par semaine et commencer à travailler les soirs. Ah, celui-là Caissière? Ouais, ça peut être bien de bosser après les cours. Celui pour le café a l'air pas mal aussi. Ah ouais, j'adore cet endroit. Et c'est sur mon chemin. Pas mal, hein? Hum. Auquel je postule. Tu hésites entre quoi et quoi? Le café et les livraisons? Ouais, le salaire pour la livraison de journaux est vraiment bien. Ok, j'ai choisi. Je vais juste devoir me lever tôt. Pour quel travail l'étudiante va-t-elle postuler Deux étudiants, un garçon et une fille, regardent des petites annonces de job. Pour quel travail l'étudiante va-t-elle postuler Hé, hey, tu penses quoi de ce job Le taux horaire est assez élevé. C'est sûr, la paye est géniale, mais tu penses vraiment pouvoir faire de la livraison de journaux Bien sûr, je suis bonne en vélo. Mais ça m'embête de me lever tôt. Et ça C'est pas aussi bien payé, mais tu peux travailler deux ou trois jours par semaine et commencer à travailler les soirs. Ah, celui-là Caissière Ouais, ça peut être bien de bosser après les cours. Celui pour le café a l'air pas mal aussi. Ah ouais, j'adore cet endroit. Et c'est sur mon chemin. Pas mal, hein hum, Auquel je postule. Tu hésites entre quoi et quoi le café et les livraisons Ouais, le salaire pour la livraison de journaux est vraiment bien. Ok, j'ai choisi. Je vais juste devoir me lever tôt. Une femme essaie une robe et discute avec le vendeur. Quelle robe va-t-elle acheter Elle vous met en valeur et vous va très bien. Oui, elle me va. Mais j'ai l'habitude de porter des couleurs unies. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de motif. Eh bien, je trouve que cela vous va bien. Ah oui? Je pense qu'il me faudrait un peu plus de courage pour porter ça. Et pourquoi pas cette robe? Le motif est plutôt discret, donc ce sera moins voyant. Vous avez raison. Je vais essayer celle ci. Je vous en prie. Qu'en pensez vous? Celle ci me va mieux que l'autre. Est ce que vous avez la même avec des manches longues? Oui, tout à fait. Très bien, je la prends. Quelle robe va-t-elle acheter Une femme essaie une robe et discute avec le vendeur. Quelle robe va-t-elle acheter Elle vous met en valeur et vous va très bien. Oui, elle me va. Mais j'ai l'habitude de porter des couleurs unies. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de motif. Eh bien, je trouve que cela vous va bien. Ah oui Je pense qu'il me faudrait un peu plus de courage pour porter ça. Et pourquoi pas cette robe Le motif est plutôt discret, donc ce sera moins voyant. Vous avez raison, je vais essayer celle-ci. Je vous en prie. Qu'en pensez-vous Celle-ci me va mieux que l'autre. Est-ce que vous avez la même avec des manches longues oui, tout à fait. Très bien, je l'apprends. Le président de l'entreprise et sa secrétaire parlent au téléphone. Quel document la secrétaire va-t-elle livrer au service commercial Bonjour. Pourriez-vous me rendre service Il y a un document sur mon bureau et j'aurais besoin que vous le livriez au service commercial. Bien sûr. De quel document s'agit-il je pense qu'il se trouve dans l'enveloppe bleue. L'enveloppe bleue. Eh bien, il y a deux enveloppes bleues sur votre bureau. Ah oui, il y a un seau rouge en haut à droite de l'enveloppe. Celle avec le seau vert est à distribuer au service de recrutement. Celle avec le seau rouge. J'ai compris. Super. Livrez-la au service commercial d'ici à une heure de l'après-midi et faites en sorte de l'envoyer directement au manager. Vous le connaissez, non Oui, je l'ai rencontré et ai parlé avec lui à de nombreuses reprises. Bien. Oh, et pouvez-vous livrer l'autre enveloppe au service des ressources humaines Oui, monsieur. Quels documents la secrétaire va-t-elle livrer au service commercial Le président de l'entreprise et sa secrétaire parlent au téléphone. Quel document la secrétaire va t-elle livrer au service commercial? Bonjour. Pourriez vous me rendre service? Il y a un document sur mon bureau, et j'aurais besoin que vous le livriez au service commercial. Bien sûr. De quel document s'agit il? Je pense qu'il se trouve dans l'enveloppe bleue. L'enveloppe bleue. Eh bien, il y a deux enveloppes bleues sur votre bureau. Ah. Oui. Il y a un seau rouge en haut à droite de l'enveloppe. Celle avec le seau vert est à distribuer au service de recrutement. Celle avec le seau rouge. J'ai compris. Super. Livrez-la au service commercial d'ici à une heure de l'après-midi et faites en sorte de l'envoyer directement au manager. Vous le connaissez, non Oui, je l'ai rencontré et ai parlé avec lui à de nombreuses reprises. Bien. Au. Et pouvez-vous livrer l'autre enveloppe au service des ressources humaines Oui, monsieur. Une femme appelle un restaurant par téléphone. À quelle table a-t-elle déjeuné Bonjour. Comment puis-je vous aider J'ai déjeuné ici il y a quelque temps, et je pense avoir oublié mon écharpe. Vous avez laissé votre écharpe à une table Vous, vous souvenez-vous d'où vous étiez assise je vais la chercher. Eh bien, c'était à l'arrière du restaurant. Étiez-vous dans l'espace fumeur ou non-fumeur L'espace non-fumeur. Étiez-vous assise au comptoir ou à une table J'étais à une table pour quatre personnes. Très bien. Je vais aller vérifier. Attendez un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À quelle table a-t-elle déjeuné Une femme appelle un restaurant par téléphone. À quelle table a-t-elle déjeuné Bonjour. Comment puis-je vous aider J'ai déjeuné ici il y a quelque temps, et je pense avoir oublié mon écharpe. Vous avez laissé votre écharpe à une table Vous, vous souvenez-vous d'où vous étiez assise Je vais la chercher. Eh bien, c'était à l'arrière du restaurant. Étiez-vous dans l'espace fumeur ou non fumeur l'espace non fumeur. Étiez vous assise au comptoir ou à une table? J'étais à une table pour quatre personnes. Très bien. Je vais aller vérifier. Attendez un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Un homme est à la recherche d'un appartement. Quel appartement va t-il choisir? Excusez moi. Je cherche un appartement dans ce quartier. Pouvez-vous me montrer quelques plans d'étage Certainement. Est-ce pour une seule personne Non. Je vais vivre avec ma femme. Je veux un salon, une chambre et un bureau. Ok. Que pensez-vous de celui-ci Il y a deux pièces plus une salle de séjour. Cependant, il peut être un peu bruyant car il est situé près d'une grande route. Je vois. D'habitude, je travaille à la maison. J'ai donc besoin d'un endroit calme. Et je préférerais que la salle de séjour soit de forme carrée. Bien. Que pensez-vous de celui-ci Il est situé un peu loin de la gare, mais dans un espace résidentiel calme. Il y a deux pièces et une salle de séjour, mais une des pièces est un peu étroite. Hmm, nous n'avons pas beaucoup de choses. Donc celui-là fera sûrement l'affaire pour nous. Nous pouvons vous montrer un autre appartement qui a deux grandes pièces, mais situé bien plus loin de la gare. Non, merci. J'aimerais aller voir le deuxième que vous m'avez montré. Quel appartement va-t-il choisir? Un homme est à la recherche d'un appartement. Quel appartement va-t-il choisir? Excusez-moi. Je cherche un appartement dans ce quartier. Pouvez-vous me montrer quelques plans d'étage? Certainement. Est-ce pour une seule personne? Non, je vais vivre avec ma femme. Je veux un salon, une chambre et un bureau. Ok. Que pensez vous de celui ci? Il y a deux pièces plus une salle de séjour. Cependant il peut être un peu bruyant, car il est situé près d'une grande route. Je vois. D'habitude je travaille à la maison, j'ai donc besoin d'un endroit calme, et je préférerais que la salle de séjour soit de forme carrée. Bien. Que pensez-vous de celui-ci Il est situé un peu loin de la gare, mais dans un espace résidentiel calme. Il y a deux pièces et une salle de séjour, mais une des pièces est un peu étroite. Hmm, nous n'avons pas beaucoup de choses, donc celui-là fera sûrement l'affaire pour nous. Nous pouvons vous montrer un autre appartement qui a deux grandes pièces, mais situé bien plus loin de la gare. Non, merci. J'aimerais aller voir le deuxième que vous m'avez montré. Une femme commande un gâteau d'anniversaire. Quel gâteau va-t-elle commander Excusez moi, j'aimerais commander un gâteau d'anniversaire pour ma fille. Très bien. Pourriez vous me dire quel genre de gâteau vous cherchez Ma fille aime le chocolat, je pense donc qu'un gâteau au chocolat serait bien. Et pouvez vous mettre des fraises dessus Absolument. Nous avons des gâteaux ronds et carrés. Lequel préférez vous hmm. Un rond, s'il vous plaît. Ok. Quel âge votre fille aura-t-elle Elle va avoir 12 ans. Ok. Nous allons donc préparer 12 bougies. Voulez-vous écrire un message Oui, écrivez, joyeux anniversaire, s'il vous plaît. Très bien. Et voulez-vous l'avoir écrit en rose Si c'est le cas, nous le mettrons sur une assiette blanche. Sinon, nous pouvons l'écrire en blanc et le mettre sur une assiette rose. Écrivez-le en rose et mettez-le sur une assiette blanche, s'il vous plaît. Quel gâteau va-t-elle commander Une femme commande un gâteau d'anniversaire. Quel gâteau va-t-elle commander Excusez-moi, j'aimerais commander un gâteau d'anniversaire pour ma fille. Très bien. Pourriez-vous me dire quel genre de gâteau vous cherchez Ma fille aime le chocolat. Je pense donc qu'un gâteau au chocolat serait bien. Et pouvez-vous mettre des fraises dessus Absolument. Nous avons des gâteaux ronds et carrés. Lequel préférez-vous hmm, Un rond, s'il vous plaît. Ok. Quel âge votre fille aura-t-elle Elle va avoir 12 ans. Ok. Nous allons donc préparer 12 bougies. Voulez-vous écrire un message Oui, écrivez Joyeux anniversaire, s'il vous plaît. Très bien. Et voulez-vous l'avoir écrit en rose Si c'est le cas, nous le mettrons sur une assiette blanche. Sinon, nous pouvons l'écrire en blanc et le mettre sur une assiette rose. Écrivez-le en rose et mettez-le sur une assiette blanche, s'il vous plaît. Un homme et une femme parlent de leur planning de déménagement. Quand vont-ils déménager je pense que nous devrions décider de la date de déménagement et appeler une entreprise de déménagement. Oui, j'étais en train de rechercher des entreprises de déménagement. Je ne veux pas payer beaucoup d'argent. Je suis d'accord. Cette entreprise offre quelques promotions, comme une promotion de 10% si nous réservons au moins un mois avant la date du déménagement. Un mois avant Dans ce cas, nous devrons déménager après le 15 décembre pour obtenir la promotion. Oui, et il y a une promotion supplémentaire si on réserve un jour en semaine. En semaine Eh bien, j'ai une réunion lundi matin et l'exposition est mardi et mercredi, donc. Vendredi serait bien, car nous pourrions organiser la nouvelle maison pendant le week-end. Oui. Oh, attends. Ils disent 15 de réduction du lundi au jeudi et 5 de réduction le vendredi. Oh, qu'est-ce que tu veux faire Obtenons-le le moins cher possible. D'ici là, j'aurai fini l'exposition dans tous les cas. Quand vont-ils déménager Un homme et une femme parlent de leur planning de déménagement. Quand vont-ils déménager Je pense que nous devrions décider de la date de déménagement et appeler une entreprise de déménagement. Oui. J'étais en train de rechercher des entreprises de déménagement. Je ne veux pas payer beaucoup d'argent. Je suis d'accord. Cette entreprise offre quelques promotions, comme une promotion de 10% si nous réservons au moins un mois avant la date du déménagement. Un mois avant Dans ce cas, nous devrons déménager après le 15 décembre pour obtenir la promotion. Oui, et il y a une promotion supplémentaire si on réserve un jour en semaine. En semaine eh bien, j'ai une réunion lundi matin, et l'exposition est mardi et mercredi donc. Vendredi serait bien, car nous pourrions organiser la nouvelle maison pendant le week-end. Oui. Oh, attends. Ils disent 15% de réduction du lundi au jeudi et 5% de réduction le vendredi. Oh. Qu'est-ce que tu veux faire Obtenons-le le moins cher possible. D'ici là, j'aurai fini l'exposition dans tous les cas. Want to speak real French from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FrenchPod101.com. So, welcome back to French Weekly Words, and this week is going to be 10 lines you need for introducing yourself. Here we go. Comment t'appelles-tu? What's your name? Bonjour, comment t'appelles-tu? Hello, what's your name? Es-tu déjà allé en France? Have you been to France? So yeah, people will be like, es-tu déjà allé en France? And then you can answer, no, it's my first time. So non, c'est ma première fois. Comment vas-tu? How are you? How are you doing? Comment vas-tu? When you meet someone in the morning, like, hey, hi, how are you doing? Hey, salut, comment vas-tu? Or comment ça va? Usually when you're speaking with friends, it's comment ça va? So hey, comment ça va? Ça va bien? Something like that. Aimes-tu la cuisine française? Do you like French food? Come on, everyone likes French food. It's the bestest in the world. So tell me in the comment if you like French food and what's your favorite French food because we got plenty of it. My favorite French food is croissant. You can have them for breakfast. They are buttery and yummy and crunchy and everything. C'est quand votre anniversaire? When is your birthday? This one is quite polite and if you want to use a less formal version it would be C'est quand ton anniversaire? My birthday is. Mon anniversaire est. D'où venez-vous? Where are you from? I'm from France. <laughs> so, d'où venez-vous? Where are you from? Well, obviously I'm from France. <laughs> Where are you from? Où as-tu appris le français? Where did you learn French? On FrenchBud101.com. That's what you are here. So, if you are really good and speak French to people pretty easily, they will be like, oh, Où as appris le français? Where do you learn French? Tell them you watch Lia's oh, yes. video. Où habitez-vous? Where do you live? Where do you guys live? So, yeah, if you are traveling to France, this will also be a question you will commonly be asked. So, Où habitez-vous? I live in America. Où sont les toilettes? Where is the bathroom? This is an important sentence to know when you are going to a restaurant or wherever in the metro. Don't go to the toilet in the metro because first you have to pay for it, then it's super dirty. Toilette in French it's a plural noun because you have to look for many toilets before finding one that's clean. That's what we say in French. So yeah, don't hesitate to ask, but maybe you will be surprised. Où sont les toilettes? Où travaillez-vous? Where do you work? Or Où travailles tu? For the more casual version. Je travaille en tant que designer. I work as a designer. This is fancy to say. So just go with it. Yeah. So that's it for this week. Don't forget to subscribe wherever it is and go to the website to learn more French. See you next time. Bye. Nice. Nice, nice baby. Imagine you are at a grocery store in France. You want to buy a few things. What do you do? Bonjour, je suis Candice. Candice here. Anyone can learn how to go grocery shopping in France. In this lesson, you'll learn how. Sacha and Karen are shopping at the supermarket. Let's watch. Bonjour. Bonjour. Avez-vous la carte de fidélité du magasin oui, voilà. Alors cela fera 67 euros et 89 centimes, s'il vous plaît. Merci. Voici votre monnaie. Bonne journée, au revoir. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir. Now the lesson focus. Here's how you can go grocery shopping in France. Have you ever wanted to shop at a supermarché, supermarket in France? Here are some tips to help you out. In France, there are many big chain supermarkets, with some even offering service de station service, gas station services. Usually, French people go to the supermarket once a week. If you want to use a shopping cart, you can find them in the parking lot rather than at the front of the store. You have to use 1 euro to rent one out, which you will get back at the end of your shopping trip. Also, cashiers do not weigh your vegetables and fruit for you. You have to do it yourself. You place the fruit and vegetables on a scale, and a barcode sticker comes out of the machine. Then, you place the sticker on the bag and take it to the cash register. It is also a good idea to bring your own shopping bags. Usually, supermarkets charge for plastic shopping bags, and you have to bag your groceries by yourself. If you are looking to get a discount, getting a carte de fidelité supermarket loyalty card is a great idea. You can rack up points and get deals on certain items. Some supermarkets even have catalogues de cadeaux gift catalogues. These have gifts that correspond to how many points you have. Once you have accumulated enough points, you can pick out a gift from the catalog. If you are looking for something more unique, you can try one of France's many magasins spécialisés. Specialty shops. Specialty shops come in all kinds, from cheese shops to tobacco shops to organic food stores. Of course, you can get many things from regular supermarkets. However, if you are looking for a wider variety, or for something really unique, these are the places to go. When you are finished shopping and leaving the store, don't forget to say Bonne journée. Have a good day to the person who helped you. This is very polite and shows respect to the shop staff. Hi, watchers! Are you coming to France soon? Because this week we're going to learn about 20 travel phrases you should know. Merci! Thank you! Anytime you receive something or someone was nice to you. Merci, thank you. Excusez-moi. Excuse me. Anytime you bump into someone or if you step on the foot because the metro is crowded or if you need to call for the waiter's attention, use this one. Excusez-moi. Combien ça coûte? How much is this? Yeah, sometimes you won't find the prices on the items you are looking for, especially if you're going to a flea market in France. So just go, ah. This item, how much is it? Cet objet, combien ça coûte? Où est la gare? Where is the train station? This one can be quite convenient if you are in a big city. Where is the metro? Où est le métro? Le wifi est-il gratuit? Is the Wi-Fi free? If you want Wi-Fi in France, maybe some coffee shops now have it. They advertise it on the chalkboard outside. So come inside; we have Wi-Fi. Je voudrais ceci. I'd like this. Oh, I'd like this, please. Je voudrais ceci, s'il vous plaît. If you don't know the name of the item you want in the menu, you can just point and say, Je voudrais ceci. I want this, please. Pourrions-nous avoir le menu, s'il vous plaît Could we have the menu, please? Usually you have to ask for it. Sometimes the place is very crowded, so ask. Le menu, s'il vous plaît. Could we have the menu, please? Avez-vous des recommandations Do you have any recommendations? If you are at a bar and want for some cocktail you can be like, oh, I like something fruity, do you have any recommendation? J'aimerais quelque chose de fruité, avez-vous des recommandations? Then the bartender will make you some fancy cocktail. Je suis allergique aux cacahuètes. I'm allergic to peanuts. If you have any allergies, be sure to ask whenever you are going out or trying to eat something. People will be really nice about it, and sometimes it's even on the menu. If you have any allergies, there will be a sign saying, Yes, yeah, this contains nut, or this contains milk, or this contains gluten, and you can make sure that you don't eat something you don't want to ingest. Avez vous <laughs> des plats végétariens? Do you have any vegetarian dishes? if you're vegetarian or vegan there will also be a sign very often on the menu saying this dish contains no meat or this is vegan safe it's made with no animal grease or eggs or milk pourrais-je avoir l'addition could i have the check pourrais-je avoir l'addition s'il vous plaît could i have the check please prenez-vous la carte de crédit do you take credit card can i pay by credit card puis-je payer avec ma carte de crédit tiens Pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît? Could you take a picture of me, please? What, you don't have your selfie stick? Come on, that's something every traveler should have. 1, 2, 3, with Titi! Je voudrais un siège non fumeur, s'il vous plaît. I'd like to have a non smoking seat, please. Well, restaurants in France have banned smoking inside. for a couple of years now. So every restaurant you go to should be non-smoking. Smoking is only allowed in bars. Good with that. Do you have non-smoking seats? Avez-vous des sièges non-fumeurs? Pourriez-vous me donner un rabais? Could you give me a discount? Un peu moins cher? A little bit cheaper? This is again if you go to flea market. And Especially on Sundays, you will have a bunch of sellers selling stuff from their homes. You can negotiate the price a lot over there, and getting an item at a price is really common. So uh, you can peu moins cher, un. ou est-ce que je pourrais avoir un rabais, s'il vous plaît? Give me a discount, please, or make it cheaper, a tiny bit cheaper. Okay, more, more cheap, even even cheaper, way way cheaper. Okay, give it to me free now. Pourrais-je obtenir un plan? could i get a map plan would be more map of something you want inside for example if you're in a museum and if you are outside and got lost and go to the information center for example you can ask pourrais-je avoir une carte could i get a map j'ai une reservation i have a reservation when you get to a restaurant and have a reservation they will often ask you at the front desk so do you have a reservation avez-vous une reservation can say yes, I have a reservation. Oui, j'ai une réservation. Puis j'essaye. -je can I try this on? Yeah, if you want to try some clothes, you can ask the staff. Puis j'essaye -je ceci. Can I try this? Parlez-vous anglais? Do you speak English? French people aren't really good at speaking English, but they will try their best. So if you find someone and cannot express yourself in French properly and ask them, Parlez-vous anglais? Do you speak English? They may say no, not that much, but no je ne parle pas beaucoup oh je ne parle pas anglais the most common sentence i learn in every language is a beer please une bière s'il vous plait anytime it's summer it's hot and you want something fresh une bière s'il vous plait a beer please to go with your nice meal or just to freshen up and chill with friends so that's it for this week. What's your most used travel sentence? Leave me a comment to let me know. And if you want to learn more French, don't forget to check the website Frenchpod101.com. We'll see you next time. See ya! You. Imagine you're at a restaurant in France. What do you do? Bonjour, je suis Candice. Candice here! Anyone can learn how to order food at a restaurant. In this lesson, you'll learn how. Mark, Karen, Marcel, and his wife. are at a restaurant in france let's watch vous avez choisi je vais prendre un steak frais. moi une ratatouille moi le poisson du jour pour moi juste une salade s'il vous plaît et comme boisson une bouteille de vin blanc s'il vous plaît ce sera tout oui merci Now, the listen focus. Here's how to order food at a restaurant in France. Some places are really popular, especially in the big cities. That's why it's a good idea to make a reservation. If you get on the waiting list, there is a chance someone might cancel and you can get in at the last minute. Reservations are usually made over the phone. Just tell their staff what day, time, and how many people will be in your party. If you feel a little uncomfortable speaking French, you can ask, Parlez-vous anglais? Do you speak English? Most places have staff that speak a little bit. If you are still worried, many places take reservations online or even by fax. Here is how to order food at a restaurant in France. The most important thing to remember is to be polite. It's a good idea to say, Bonjour, s'il vous plaît, and Je vous remercie. Hello, please and thank you. When you are deciding what to order and want to know what the daily special is, you can say Quel est le plat du jour? What is today's special? Or if you want the waiter or waitress's recommendation, you can ask Que recommandez-vous? What do you recommend? Most places have plenty of options for vegetarians and vegans too. So, don't worry if you have certain dietary restrictions. If everything looks great and you still don't know what to order, you can say, Je n'ai pas encore choisi, I haven't decided yet, and they'll give you a few more minutes. When you have finally decided, you can use the phrase, Je vais prendre, s'il vous plaît, I will take, and add what you would like to order before the words, s'il vous plaît. After giving your order, your waiter might ask you, Ce sera tout? Will that be all? So make sure to listen for it. Usually, French waiters and waitresses are really polite and will not interrupt you when you're having dinner. Therefore, if you're ready to get the check, you have to get their attention. Simply say, Excusez moi, l'addition, s'il vous plaît. Excuse me, the bill, please. Most restaurants in France have a service charge. But the good news is, tipping is more of a courtesy. It is not required, and it's not considered rude if you don't tip. If you really liked the service and would like to give the waiter or waitress something, the average is five or ten percent of the bill. Hi, I'm yeah, yeah, yeah. Are you ready to go to France? Let's talk about the top ten tourist attractions in France. Let's go to France. Tour Eiffel, Eiffel Tower. Tour Eiffel, Eiffel Tower. Tour Eiffel, Eiffel Tower. La Tour Eiffel est magnifique. The Eiffel Tower is magnificent, especially at night when they light up all the lights and you go like, shh, and that's pretty. Or for New Year, and when there is a special event, they light it up with special colors. Musée du Louvre. Musée du Louvre. Louvre Museum. Musée du Louvre. The Louvre Museum. In case you were wondering, what's the English word for it? I guess. Ma section préférée au musée du Louvre est l'égyptologie. « My favorite part in the Louvre Museum is Egyptology. Hey, it's true, I love that part. And they also have the famous uh, Joconde painting. They have permanent exhibitions and also temporary ones. So if you've been there already, you can go again because there is surely something new to see. Parc du Château de Versailles, Gardens of Versailles, Parc du Château de Versailles. Gardens of Versailles. Everything is in Paris for now. You know, France is not just Paris, right? Le meilleur moment pour visiter le parc du château de Versailles est en été. The best time to visit the gardens of Versailles is in summer, because if you go in spring, then everything is blooming and you get all the allergies at once. Bad. And summer is nice and they have fountains, so maybe the fountains are going. So yeah, summer would be a good time for that. Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. J'ai visité la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre avec mes amis. I visited the basilique of Sacré-Cœur of Montmartre with my friends. It's in a place where it's surrounded by artistic people, so you can get your portrait done or your caricature. And it's on top of a hill, so if you go there, well, during the day, but personally, I like night better. « You can see the city lighting up and it's really nice. » la cathédrale de Notre-Dame de Paris Notre-Dame de Paris la cathédrale de Notre-Dame de Paris « Still in Paris, hein huh? Someone is biased, hein? Huh? On peut écouter l'orgue à la cathédrale de Notre-Dame de Paris le dimanche. « You can listen to the organ at Notre-Dame Cathedral on Sundays. » Yeah, you can. Maybe it's the first Sunday of the month only, I'm not even sure. I don't know. It seems that the guy playing the organ there was specially selected and has been here for years now. Marché aux puces de Saint-Ouen Flea market of Saint-Ouen Marché aux puces de Saint-Ouen Flea market of Saint-Ouen Il a acheté beaucoup de choses au marché aux puces de Saint-Ouen. He bought many things at the Flea market of Saint-Ouen. Flea markets are nice if you want to find some oldies and they have a bit of everything and it's nice to just walk around and look at stuff even if you're not in tending to buy you can see old gnomes or dog figurines for a garden <laughs> that's in every flea market ever and you can also find some nice comics and maybe some vintage stuff they even sell clothes usually really a bit of everything flea market is a lot of second-hand stuff so maybe you can find something nice for cheap armada de rouen rouen armada armada de rouen rouen's armada L'armada de Rouen est très populaire. The Armada of Rouen is very popular. So, I have no idea what that is. Armada is about boats, so if you're into ships, you can go and visit that, and you will find a magnificent fleet of ship stuff. You go there and you tell me what you found. Centre Georges Pompidou, Pompidou Center, Centre Georges Pompidou, Pompidou Center. Je suis allé voir l'exposition d'art au centre Georges Pompidou. I went to see an art exhibition at the Pompidou Center. I think I've been there with my art class when we went to Paris because everything's in Paris. So Georges Pompidou was a French president and before that a prime minister and we gave his name to the art center and the art center is very colorful with art inside and art outside. I think last time I went there was a flower pot, a giant flower pot outside, art. Disneyland Paris, Disneyland Paris, Disneyland Paris, Disneyland Paris, you I like it there. L'enfant <laughs> avait hâte pour son prochain voyage à Disneyland. The child was looking forward to his upcoming trip to Disneyland. Everyone is looking forward to their next trip to Disneyland, come on, even adults and the rides, all the rides and the queuing, all the queuing. I like Space Mountain. Which one is your favorite ride? Let me know. Forêt de Fontainebleau. Forest of Fontainebleau. Forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau est grande. The forest of Fontainebleau is big. Never been there, but I will trust you on that. It's a forest. So if you ever been to one of those places, let me know in the comments or let me know which one you are most interested in. And if you need more travel words to go around, don't forget to check the website or subscribe to the channel to learn more words. Bye bye! Enjoy your trip! La 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 the <laughs> hat. Imagine you are at a grocery store in France. You want to buy a few things. What do you do? bonjour je suis candice candice here anyone can learn how to go grocery shopping in france in this lesson you'll learn how sasha and karen are shopping at the supermarket let's watch bonjour bonjour avez-vous la carte de fidélité du magasin oui voilà alors cela fera 67 euros et 89 centimes s'il vous plaît. Merci. Voici votre monnaie. Bonne journée, au revoir. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir. Now the lesson focus. Here's how you can go grocery shopping in France. Have you ever wanted to shop at a supermarché, supermarket in France? Here are some tips to help you out. In France, there are many big chain supermarkets, with some even offering service de station service, gas station services. Usually, French people go to the supermarket once a week. If you want to use a shopping cart, you can find them in the parking lot rather than at the front of the store. You have to use 1 euro to rent one out, which you will get back at the end of your shopping trip. Also, cashiers do not weigh your vegetables and fruit for you. You have to do it yourself. You place the fruit and vegetables on a scale, and a barcode sticker comes out of the machine. Then, you place the sticker on the bag and take it to the cash register. It is also a good idea to bring your own shopping bags. Usually, supermarkets charge for plastic shopping bags, and you have to bag your groceries by yourself. If you are looking to get a discount, getting a carte de fidelité supermarket loyalty card is a great idea. You can rack up points and get deals on certain items. Some supermarkets even have catalogues de cadeaux gift catalogues. These have gifts that correspond to how many points you have. Once you have accumulated enough points, you can pick out a gift from the catalog. If you are looking for something more unique, you can try one of France's many magasins spécialisés. Specialty shops. Specialty shops come in all kinds from cheese shops to tobacco shops to organic food stores. Of course, you can get many things from regular supermarkets. However, if you are looking for a wider variety or for something really unique, these are the places to go. When you are finished shopping and leaving the store, don't forget to say bonne journée. Have a good day to the person who helped you. This is very polite and shows respect to the shop staff. So, are you ready to travel to France? If so, don't forget to prepare well. I'm Lia, and this is top ten way to prepare for your travel. Let's go. Choisir sa destination. To choose one's destination. Je dois choisir ma destination ce mois-ci. I have to choose my destination this month. What would be your favorite destination? Well, it would be France, obviously. But if you have another one, let me know in the comments. I always choose Japan. Or oh, Singapore. Singapore is great. Acheter un guide touristique. To buy a guidebook. My favorite is Lonely Planet or the Michelin Guide. Mon ami achète toujours des guides touristiques. My friend always buys guidebooks. I usually buy some too. Or check out on the internet. Because I want the cheap deal and the good food inside. Sometimes we even get discount from the guidebook. And you also get some survival phrases. So try it. Économiser de l'argent. To save money. Il économise de l'argent depuis cinq ans. He has been saving money for five years. What kind of travel is he planning to do? <laughs> well, the more you save, the more you can spend on your travel. So if you really want to go all out and see all the things and eat all the stuff, just save for a while and then you can enjoy it a lot. Rechercher les prix. To research the costs. Je n'ai pas encore recherché les prix. I haven't researched the costs yet. You should research the costs first. And then start saving because you know how much you need then. Reserver un vol. To book a flight. Quand réserverons-nous notre vol? When will we book our flight? As soon as possible. Seriously. Because it's cheaper. Ideally six months in advance. And I have a point card for every airline I ever went on. This way I can accumulate it with, I don't know, everything. Just in case. Just get the card because it's free and maybe they treat you better, and you have higher chances of being upgraded or so I heard. Demandé des congés. Request vacation time. Il demande toujours des congés au dernier moment. He always requests vacation time at the last moment. Don't forget to do this way in advance because your colleagues need to adjust for your time out. I requested mine way in advance and you know. People still ask me for stuff when I'm on holiday. Leah this Sunday needs to be done. <laughs> <laughs> réserver un hébergement. to book accommodation Ils passent toujours par un site internet pour réserver un hébergement. They always book accommodations through a website because it's pretty convenient and if you don't know the language, it can be quite tricky to reserve your accommodation at the accommodation place, but it's easier to compare prices. Don't forget to book also way in advance when it's a proper season to go. Or else you end up in a way too expensive place or under a bridge. And we don't like being under a bridge. Renouveler son passport. To renew one's passport. Je dois bientôt renouveler mon passport. I need to renew my passport soon. Don't forget to also do this way in advance because it can take one or two months to get all your paperwork done and you don't want to miss your trip just because your passport is expired. That would be sad. Faire ses valises to pack. Vous n'avez pas encore fait vos valises? You haven't packed yet? I always pack at the last minute because that's one of my superpowers. If you are not good at packing, watch a few packing tip videos online. It's really useful and then you can bring only one suitcase instead of three. Obtenir un visa. To get a visa. J'ai obtenu un visa de 5 ans. I got a 5-year visa. Be sure to also check the country you are going to to see if you need a visa because you don't want to get there and be rejected because you forgot to fill some paper. And if you don't need a visa, be sure to check the number of days you are allowed to stay without a visa. So what's the one place you want to travel to or what are your best travel tips for preparation? Leave it to me in the comments. And for more travel words, check the website to learn more things. Or subscribe because we also have more travel videos and we will see you next time have a safe flight bonjour tout le monde je m'appelle ingrid durant l'été vous avez peut-être des vacances en france on les appelle les grandes vacances elles désignent la plus longue période des vacances scolaires et débutent généralement en juillet pour finir en août Savez-vous quelle est la région française la plus visitée par les vacanciers français durant l'été Nous allons vous montrer la réponse à la fin de la vidéo. Ce sont avant tout les enfants et les étudiants qui profitent des deux mois de vacances durant l'été. Les élèves français sont parmi ceux qui ont le plus grand nombre d'heures de cours, mais le plus faible nombre de journées passées à l'école. Historiquement, cette période, qui est celle des moissons dans l'hémisphère nord, nécessitait auparavant la présence des enfants auprès de leurs parents dans les champs pour les travaux agricoles. Les écoles fermaient donc pour permettre aux enfants d'aller aider leurs parents. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, qui vit l'avènement des congés payés, les grandes vacances sont synonymes des vacances d'été et de tourisme. Apparu en France en 1936, les congés payés sont une innovation sociale majeure. Aujourd'hui, un travailleur français a droit à 30 jours de congés payés. Ils sont obligatoires et permettent à chaque employé de partir en vacances et donc de réunir ainsi parents et enfants. C'est en général durant les grandes vacances que les Français prennent la plus grande partie de leurs congés. En effet, 66% partent en vacances chaque été, ce qui représente 45 millions de vacanciers. Et les Français aiment partir en vacances en France puisque plus de 80% des séjours se font en France métropolitaine. Les vacances se déroulent généralement à la mer. Les Français préfèrent en effet aller à la montagne en hiver. Lorsque les Français choisissent de partir à l'étranger durant les grandes vacances, ce sont l'Espagne, l'Italie et la Grèce qui sont les destinations les plus prisées. Les Français aiment en effet les pays où il fait chaud et où ils peuvent se baigner. Et maintenant, je vais vous donner la réponse du quiz vu plus tôt. Savez-vous quelle est la région française la plus visitée par les vacanciers français durant l'été C'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la plus prisée par les Français lorsqu'ils partent en vacances d'été. Le principal avantage de cette région est qu'elle est baignée au sud par la mer Méditerranée. Comment était cette leçon Avez-vous appris des choses intéressantes? Et vous, où partez-vous en vacances durant l'été? Laissez-nous un commentaire sur FrenchPod11.com et à très bientôt! Hi everyone, I am Lindsay from FrenchPod101.com. In this video, we'll be talking about the top 10 most common tourist vocabulary. Let's begin! Ticket, ticket. Ticket, ticket. For example, you can hear, je vais vérifier votre ticket, monsieur. I am going to check your ticket, sir. So this happens a lot when you're in a train. Uh, somebody's going to come up to you and ask for your ticket. Touriste, tourist. Touriste, tourist. Les touristes français sont bruyants. <laughs> French tourists are noisy. Um, I don't know why you're saying that. Mm -mm, not true. itinéraire itinerary itinéraire itinerary je dois planifier mon itinéraire i need to plan my itinerary yeah i love to do that myself like i spend maybe two months before of my time to look for stuff guide touristique guidebook guide touristique guidebook c'est recommandé dans le guide touristique It is recommended in the guidebook. Bus touristique. Tour bus. Bus touristique, tour bus. Ce bus touristique est plein à craquer. This tour bus is packed. When I visit new uh, cities, I usually use tour buses, like when I went to Chicago for example. That's pretty cool, you can see like sightseeing and stuff like that. Temple. Temple. Temple, temple. Il y a de très beaux temples au Japon. There are beautiful temples in Japan. I have never been, so I cannot confirm about that, but yeah, maybe. Mosquée, Mosque. mosquée, mosquée. Il y a une mosquée très célèbre à Istanbul. There is a very famous mosque in Istanbul. Eglise, church. Eglise, church. Cette famille va à l'église tous les dimanches. This family goes to church every Sunday. Yes, that is really important. Do it. Cascade, waterfall. Cascade, waterfall. Il a pris une jolie cascade en photo. He took a picture of a beautiful waterfall. Yeah, we would love to go to the, the na, ah, Niagara Falls. <laughs> Niagara. Na, oh my gosh! Okay, so <laughs> put it again. <laughs> yeah, how do you say? Niagara. Niagara? Yeah. Niagara, but this really? Yeah. Visiter. To tour. Visiter. To tour. Ma famille va visiter Rome l'année prochaine. My family will visit Rome next year. I haven't been to Rome, but I have been to Milano and Venezia. Beautiful. Okay, so that's all for this lesson. Which phrase did you like the most? Leave us a comment letting us know. And we'll see you next time. A bientôt! Hey, watchers, and welcome back to Top Words. This week will be about Top 10 Hardest Words to Pronounce. So, What's hard to pronounce in French? Heureux, happy. Heureux. Is it so hard to pronounce? Maybe for English speakers because the E sound is really peculiar to the French language. Heureux, heureux. Because I'm happy. Parce que je suis heureux. You make me happy. Tu me rends heureux. car yeah. Huile d'olive. Olive oil. Really? Huile d'olive. Yeah, it's full of oui 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 oui. You try it? Huile d'olive. It's a oily sound. Oui. <laughs> I like olive oil. J'aime l'huile d'olive. Pasta with olive oil. Des pâtes à l'huile d'olive. This is delicious. Je, I, 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 je. It's also the same sound for game. Des jeux. Jeux vidéo. Video games. it's the e uh sound again. try it. e. Uh. je vais à la mer. i'm going to the beach. je voudrais sortir. i would like to go out. je voudrais sortir. it's again full of e. Uh. <laughs> it sounds like the french language is made only of vowels. je voudrais sortir. <laughs> i would like to go out tonight. je voudrais sortir ce soir. and party. Livre, book. Oh I see because for English speaking per people, the R sound is also quite difficult to pronounce in French. Livre, because it's kind of like a mutter. J'aime lire des livres. I like reading books. That must be a complicated sentence to say for you guys. Mémoire. Memory, mémoire, je n'ai pas de mémoire, I got no memory, three second memory, <laughs> trois secondes de mémoire, merci, thank you, merci, yes, yeah, the E and R sound again, merci, don't forget to roll the R a little bit, merci, merci beaucoup, thank you very much, je vous remercie. I thank you, kind sir or kind lady, madam. Mercredi, Wednesday. Mercredi. Have fun trying to pronounce this one. Mercredi. Je fais du sport le mercredi. I do sports on Wednesday. Not true. Quincaillerie. Hardware store. Quincaillerie. Acheter un marteau à la quincaillerie. To buy a hammer at the hardware store. Très bien. Very good. Très bien. Ooh, <laughs> this also must be complicated. Très bien. Try to roll the R sound again. Très bien. You did really good. Tu as très bien fait. If you can pronounce this one, it's très bien. If you can pronounce this one, it's very good. And in the end, so. Try to train pronounce this word and pay a particular attention to the e sound and r. La <laughs> and we'll see you next time for more words. Don't forget to subscribe and check the website. See you next time. À bientôt. Une femme discute avec un imprimeur sous-traitant à propos de la brochure d'un nouveau produit. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure? Nous avons décidé de lancer le produit le 15 octobre et nous voudrions travailler avec vous pour la brochure. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous aider dans la réalisation de ce projet. Pourriez-vous nous en dire plus sur le calendrier Quand auriez-vous besoin d'être livré Eh bien, en prenant en compte le temps de production, nous aimerions envoyer les brochures à l'impression fin septembre. Vous serait-il possible de nous éditer un premier mi août Bien. Nous aimerions vous présenter trois designs différents pour le brouillon et vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Ensuite, nous ferons le design final en nous basant sur votre choix. Cela nous aiderait beaucoup d'avoir deux semaines de plus pour cette phase. Hmm, ok. Peut-être qu'un mois suffira pour choisir un des designs que vous aurez fait et décider de la version finale. Très bien, je compte sur vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Notre équipe graphique est la meilleure. Merci beaucoup. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure Une femme discute avec un imprimeur sous-traitant à propos de la brochure d'un nouveau produit. Quelle est la date limite pour rendre le premier jet du design de la brochure Nous avons décidé de lancer le produit le 15 octobre et nous voudrions travailler avec vous pour la brochure. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis de vous aider dans la réalisation de ce projet. Pourriez-vous nous en dire plus sur le calendrier Quand auriez-vous besoin d'être livré Eh bien, en prenant en compte le temps de production, nous aimerions envoyer les brochures à l'impression fin septembre. Vous serait-il possible de nous éditer un premier gemi août Bien, nous aimerions vous présenter trois designs différents pour le brouillon et vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Ensuite, nous ferons le design final en nous basant sur votre choix. Cela nous aiderait beaucoup d'avoir deux semaines de plus pour cette phase. Hmm, ok. Peut-être qu'un mois suffira pour choisir un des designs que vous aurez fait et décider de la version finale. Très bien, je compte sur vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Notre équipe graphique est la meilleure. Merci beaucoup. Un homme et une femme parlent de la disposition de la salle de réunion. Comment vont-ils arranger les tables Arrangeons les tables pour la réunion de demain. Très bien. Faut-il mettre toutes les tables au centre de la pièce pour que tout le monde puisse y être assis autour et se faire face Non. Il y aura une séance de groupe en premier lieu. Nous allons donc séparer les tables en quatre parties. Quatre personnes seront placées dans chaque groupe. Ok. Et moi, je vais poser quelques blocs notes et stylos sur chaque table. Merci et nous aurons une courte explication à l'aide d'un projecteur avant de commencer la séance. Nous avons donc besoin d'un projecteur ici. Très bien. Aussi, nous allons utiliser un tableau blanc, n'est-ce pas C'est bon si je mets le tableau blanc à côté de l'écran Eh bien, que diriez-vous de mettre ce tableau blanc du côté opposé à l'écran Mettons-le à l'arrière de la pièce. Je vois. Et n'oubliez pas de rapporter toutes les choses après la réunion. Mettez deux tables ensemble, et installez-les en deux rangées. Comment vont-ils arranger les tables Un homme et une femme parlent de la disposition de la salle de réunion. Comment vont-ils arranger les tables Arrangeons les tables pour la réunion de demain. Très bien. Faut-il mettre toutes les tables au centre de la pièce pour que tout le monde puisse y être assis autour et se faire face Non. Il y aura une séance de groupe en premier lieu. Nous allons donc séparer les tables en quatre parties. Quatre personnes seront placées dans chaque groupe. Ok. Et moi, je vais poser quelques blocs notes et stylos sur chaque table. Merci. Et nous aurons une courte explication à l'aide d'un projecteur avant de commencer la séance. Nous avons donc besoin d'un projecteur ici. Très bien. Aussi, nous allons utiliser un tableau blanc, n'est-ce pas C'est bon si je mets le tableau blanc à côté de l'écran eh bien, que diriez-vous de mettre ce tableau blanc du côté opposé à l'écran Mettons-le à l'arrière de la pièce. Je vois. Et n'oubliez pas de rapporter toutes les choses après la réunion. Mettez deux tables ensemble et installez-les en deux rangées. Une femme passe un coup de fil pour réserver des tickets pour une pièce de théâtre. Quels sont les deux sièges qu'elle réserve Bonjour, Blackfriars Playhouse à l'appareil. Puis-je vous aider Je voudrais deux tickets pour le roi Lyre à 17h30 ce soir. Y a-t-il encore des places Nous avons quelques places disponibles, mais je suis désolé, nous n'avons plus de places côte à côte. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons vous donner deux places séparées. Ok, ce n'est pas un problème. Avez-vous une exigence particulière Eh bien, vous avez des places en allée centrale oui, nous en avons une dans la rangée à gauche de la salle côté centre. À droite de la salle, trois sièges plus loin, nous en avons une autre. Sur le côté Ok, vous pouvez réserver celle en allée centrale. Certainement. Et l'autre place Est-ce que vous avez des places près du centre Les seules places que nous avons au centre sont du premier rang au troisième. Je ne suis pas folle des acteurs qui me crachent dessus, donc. La salle est assez petite et je pense que vous pourrez apprécier la pièce même à la fin de la rangée. Vraiment Bien, je vais prendre celle à gauche dont vous avez parlé avant. Quels sont les deux sièges qu'elle réserve Une femme passe un coup de fil pour réserver des tickets pour une pièce de théâtre. Quels sont les deux sièges qu'elle réserve Bonjour, Blackfriars Playhouse à l'appareil. Puis-je vous aider Je voudrais deux tickets pour le roi lire à 17h30 ce soir. Y a-t-il encore des places Nous avons quelques places disponibles, mais je suis désolé, nous n'avons plus de places côte à côte. Si ça ne vous dérange pas, nous pouvons vous donner deux places séparées. Ok, ce n'est pas un problème. Avez-vous une exigence particulière Eh bien, vous avez des places en allée centrale oui, nous en avons une dans la rangée à gauche de la salle côté centre. À droite de la salle, trois sièges plus loin, nous en avons une autre. Sur le côté Ok, vous pouvez réserver celle en allée centrale. Certainement. Et l'autre place Est-ce que vous avez des places près du centre Les seules places que nous avons au centre sont du premier rang au troisième. Je ne suis pas folle des acteurs qui me crachent dessus, donc. La salle est assez petite et je pense que vous pourrez apprécier la pièce même à la fin de la rangée. Vraiment Bien, je vais prendre celle à gauche dont vous avez parlé avant. Un homme et une femme discutent de la présentation qu'ils vont faire le lendemain au bureau. Que va vérifier la femme après leur conversation Ok, je pense que nous sommes presque prêts pour la présentation de demain. Juste quelques petites choses. La réunion va commencer à 9h pile donc on pourrait revérifier la salle de réunion aujourd'hui Oui, j'ai déjà revérifié la salle. OK, super. Est-ce que tu as vérifié le fonctionnement du projecteur Oh, j'allais vérifier ça demain matin avec mon portable. Non, on doit vérifier ça aujourd'hui. On va pas avoir le temps de gérer ça demain si on a un problème. Donc vérifie ça aujourd'hui, c'est le plus important, OK OK. Et tu as récupéré les copies des documents Madame Martin les fait actuellement. Voyons voir, quoi d'autre Oh, tu as vérifié le tableau blanc Oui, je l'ai fait. Parfois, les stylos n'ont plus assez d'encre. Est-ce que tu as regardé ça Pas encore, mais je vais m'en occuper plus tard. Ok, oublie pas de faire ça aujourd'hui, s'il te plaît. Que va vérifier la femme après leur conversation Un homme et une femme discutent de la présentation qu'ils vont faire le lendemain au bureau. Que va vérifier la femme après leur conversation Ok, je pense que nous sommes presque prêts pour la présentation de demain. Juste quelques petites choses. La réunion va commencer à 9h pile, donc on pourrait revérifier la salle de réunion aujourd'hui Oui, j'ai déjà revérifié la salle. Ok, super. Est-ce que tu as vérifié le fonctionnement du projecteur Oh, j'allais vérifier ça demain matin avec mon portable. Non, on doit vérifier ça aujourd'hui. On va pas avoir le temps de gérer ça demain si on a un problème. Donc vérifie ça aujourd'hui, c'est le plus important, OK OK. Et tu as récupéré les copies des documents Madame Martin les fait actuellement. Voyons voir quoi d'autre. Oh, tu as vérifié le tableau blanc Oui, je l'ai fait. Parfois les stylos n'ont plus assez d'encre. Est-ce que tu as regardé ça pas encore, mais je vais m'en occuper plus tard. Ok, oublie pas de faire ça aujourd'hui, s'il te plaît. Un homme va à un club de sport pour demander des informations sur les inscriptions. Quel genre d'adhésion va-t-il choisir Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer les différentes options d'adhésion comme décrites dans cette brochure. Les membres ordinaires peuvent utiliser la salle de gym et la piscine tous les jours mais nous offrons aussi des adhésions pour les matinées, pour ceux qui peuvent venir seulement très tôt le matin, et des adhésions soirées, pour ceux qui peuvent venir seulement tard le soir. Quels sont les horaires pour les séances du matin Les sessions matinales se déroulent de 6h du matin à 10h, et celles du soir de 18h à 23h. Je vois, donc les adhérents du matin peuvent faire un saut et s'entraîner avant d'aller au travail. C'est exact, ce type d'adhésion est assez populaire parmi les gens qui travaillent de 9h à 17h. Et nous offrons aussi des adhésions seulement pour la salle de gym ou la piscine, si vous ne voulez faire qu'une seule de ces options. Je veux utiliser les deux. Je pense que j'utiliserai la salle de gym le matin avant le travail en semaine et utiliserai la piscine le week-end. Est-ce que vous avez une adhésion qui couvre le matin seulement les jours de semaine, mais les journées complètes les week-ends nous sommes désolés, mais nous n'offrons pas ce genre d'adhésion, monsieur. Ok, je ne pense pas pouvoir me lever si tôt les week-ends, donc je vais choisir cette option. Quel genre d'adhésion va-t-il choisir Un homme va à un club de sport pour demander des informations sur les inscriptions. Quel genre d'adhésion va-t-il choisir tout d'abord, laissez-moi vous expliquer les différentes options d'adhésion comme décrites dans cette brochure. Les membres ordinaires peuvent utiliser la salle de gym et la piscine tous les jours, mais nous offrons aussi des adhésions pour les matinées, pour ceux qui peuvent venir seulement très tôt le matin, et des adhésions soirées, pour ceux qui peuvent venir seulement tard le soir. Quels sont les horaires pour les séances du matin Les sessions matinales se déroulent de 6h du matin à 10h, et celles du soir de 18h à 23h. Je vois, donc les adhérents du matin peuvent faire un saut et s'entraîner avant d'aller au travail. C'est exact, ce type d'adhésion est assez populaire parmi les gens qui travaillent de 9h à 17h. Et nous offrons aussi des adhésions seulement pour la salle de gym ou la piscine, si vous ne voulez faire qu'une seule de ces options. Je veux utiliser les deux. Je pense que j'utiliserai la salle de gym le matin avant le travail en semaine et utiliserai la piscine le week-end. Est-ce que vous avez une adhésion qui couvre le matin seulement les jours de semaine, mais les journées complètes les week-ends Nous sommes désolés, mais nous n'offrons pas ce genre d'adhésion, monsieur. Ok, je ne pense pas pouvoir me lever si tôt les week-ends, donc je vais choisir cette option. Un homme et une femme parlent de matériel de bureau. Que va commander l'homme vous devez vérifier le stock de matériel de bureau et commander des objets dont nous avons besoin une fois par mois. Vérifions cela ensemble cette fois-ci à l'aide de cette liste de contrôle. Merci. Alors, commençons avec le papier. On dirait qu'il ne reste plus qu'une boîte. Nous utilisons beaucoup de papier tous les jours, donc nous allons commander deux boîtes de plus. Ok. L'imprimante n'a plus d'encre de couleur. Devons-nous en commander Oh, ce n'est pas un problème car nous n'imprimons pas nos documents en couleur. Ah bon? Ok. On dirait que certains marqueurs pour tableau blanc sont à court d'encre. Oui, ceux-ci ont besoin d'être remplacés. Nous obtenons une réduction si nous commandons une boîte de cinq marqueurs. Nous allons donc le faire. Ok. Oh. Et pouvons-nous commander une souris en même temps? Ma souris semble lente à réagir. Eh bien, je pense que c'est parce que les piles sont presque épuisées. Vérifions le stock de piles, et s'il n'en reste plus beaucoup, nous en commanderons. Bien sûr. Eh bien, nous avons trois piles ici. Vous pouvez en prendre deux pour votre souris, mais achetez un lot de six piles pour les remplacer. Que va commander l'homme Un homme et une femme parlent de matériel de bureau. Que va commander l'homme vous devez vérifier le stock de matériel de bureau et commander des objets dont nous avons besoin une fois par mois. Vérifions cela ensemble cette fois-ci à l'aide de cette liste de contrôle. Merci. Alors, commençons avec le papier. On dirait qu'il ne reste plus qu'une boîte. Nous utilisons beaucoup de papier tous les jours, donc nous allons commander deux boîtes de plus. Ok. L'imprimante n'a plus d'encre de couleur. Devons-nous en commander Oh, ce n'est pas un problème car nous n'imprimons pas nos documents en couleur. Ah bon Ok. On dirait que certains marqueurs pour tableau blanc sont à court d'encre. Oui, ceux-ci ont besoin d'être remplacés. Nous obtenons une réduction si nous commandons une boîte de cinq marqueurs. Nous allons donc le faire. Ok. Oh, et pouvons-nous commander une souris en même temps Ma souris semble lente à réagir. Eh bien, je pense que c'est parce que les piles sont presque épuisées. Vérifions le stock de piles, et s'il n'en reste plus beaucoup, nous en commanderons. Bien sûr. Eh bien, nous avons trois piles ici. Vous pouvez en prendre deux pour votre souris, mais achetez un lot de six piles pour les remplacer. Un homme et une femme choisissent un hôtel. Quel hôtel vont ils choisir? Nous devons nous décider d'un hôtel pour notre voyage le mois prochain. Ok, allons sur Internet. Le Océan Hotel est près de la plage, c'est 120 dollars la nuit par personne. Et il y a un petit déjeuner buffet. Que penses-tu du Pine Hotel C'est 80 dollars la nuit. Je ne veux pas trop gaspiller en hébergement. Hmm, mais le Pine Hotel est loin de la plage et du centre-ville, et en plus il faut payer pour le Wi-Fi. Que penses-tu du Sunrise Hotel Normalement, il coûte 140 dollars la nuit mais en ce moment il y a une promotion, et nous pouvons rester une nuit là-bas pour quatre-vingt-dix dollars. Il est entre la plage et le centre-ville. En plus, le Wi-Fi est gratuit. Ça sonne bien. Oh. Attends, c'est valable seulement la semaine prochaine? Oh. Je n'avais pas vu ça. Et sinon, que penses tu de cet endroit, le Royal Hotel? Il est au milieu du centre-ville, et coûte cent dollars la nuit. La chambre n'a pas l'air très belle, mais le Wi-Fi est gratuit. Ok, réservons cet hôtel là. Oh. Il est déjà entièrement réservé. Zut. Dans ce cas, le premier est le meilleur. Il est plein? Non, il ne l'est pas. Super. Quel hôtel vont-ils choisir? Un homme et une femme choisissent un hôtel. Quel hôtel vont-ils choisir? Nous devons nous décider d'un hôtel pour notre voyage le mois prochain. Ok. Allons sur Internet. Le Océan Hotel est près de la plage. C'est 120 dollars la nuit par personne. Et il y a un petit déjeuner-buffet. Que penses-tu du Pine Hotel C'est 80 dollars la nuit. Je ne veux pas trop gaspiller en hébergement. Hmm, mais le Pine Hotel est loin de la plage et du centre-ville. Et en plus, il faut payer pour le Wi-Fi. Que penses-tu du Sunrise Hotel Normalement, il coûte 140 dollars la nuit. Mais en ce moment, il y a une promotion et nous pouvons rester une nuit là-bas pour 90 dollars. Il est entre la plage et le centre-ville. En plus, le Wi-Fi est gratuit. Ça sonne bien. Oh, attends, c'est valable seulement la semaine prochaine. Oh, je n'avais pas vu ça. Et sinon, que penses-tu de cet endroit, le Royal Hotel Il est au milieu du centre-ville et coûte 100 dollars la nuit. La chambre n'a pas l'air très belle, mais le Wi-Fi est gratuit. Ok, réservons cet hôtel-là. Oh, il est déjà entièrement réservé. Zut, dans ce cas le premier est le meilleur. Il est plein? Non, il ne l'est pas. Super. Une femme et un fournisseur parlent au téléphone. Qu'est-ce que la femme va obtenir en premier? J'aurais besoin que vous fabriquiez et livriez quelques pulls de plus à temps pour la vente le mois prochain. Ok, qu'est-ce qu'il vous faut? Nous avons besoin de mille unités de pulls rouges en taille S et quatre cents unités de pulls rouges en taille M. Il nous faut aussi six cents unités de pulls verts en taille S et deux cents unités de pulls verts en taille M d'ici à la fin du mois. Des pulls rouges et verts. En fait, nous sommes à court de laine verte et nous devons en obtenir auprès d'autres fournisseurs. Nous ferons les rouges en premier. Non, non, non. Nous devons offrir les pulls rouges et verts ensemble. Alors faites simplement autant de pulls que vous le pouvez, s'il vous plaît. Ok. Je pense que nous pouvons faire 200 unités de pulls pour le moment. Quelle taille vous faut-il en premier Il nous faut les tailles S en premier. Désolé pour le court délai, mais nous avons vraiment besoin de votre aide. Très bien, nous ferons de notre mieux. Nous allons livrer ces pulls verts et tous les pulls rouges. Qu'est-ce que la femme va obtenir en premier Une femme et un fournisseur parlent au téléphone. Qu'est-ce que la femme va obtenir en premier J'aurais besoin que vous fabriquiez et livriez quelques pulls de plus à temps pour la vente le mois prochain. OK, qu'est-ce qu'il vous faut Nous avons besoin de 1000 unités de pulls rouges en taille S et 400 unités de pulls rouges en taille M. Il nous faut aussi 600 unités de pulls verts en taille S et 200 unités de pulls verts en taille M d'ici à la fin du mois. Des pulls rouges et verts. En fait, nous sommes à court de laine verte et nous devons en obtenir auprès d'autres fournisseurs. Nous ferons les rouges en premier. Non, non, non. Nous devons offrir les pulls rouges et verts ensemble. Alors faites simplement autant de pulls verts que vous le pouvez, s'il vous plaît. Ok. Je pense que nous pouvons faire 200 unités de pulls verts pour le moment. Quelle taille vous faut-il en premier Il nous faut les tailles S en premier. Désolé pour le court délai, mais nous avons vraiment besoin de votre aide. Très bien, nous ferons de notre mieux. Nous allons livrer ces pulls verts et tous les pulls rouges. Une femme demande à un homme dans un office de tourisme comment aller à l'aéroport. Où va-t-elle aller ensuite? Excusez-moi, j'aimerais aller à l'aéroport. Pourriez-vous m'indiquer comment y aller? Bien sûr, il y a plusieurs façons pour y accéder. Si vous prenez le bus numéro 1, cela vous prendra environ une heure et demie pour arriver à l'aéroport, mais le tarif est le moins cher. Si vous prenez le bus numéro 2, cela vous prendra environ 50 minutes, car c'est un bus non-stop, mais il part une fois par heure. C'est un peu plus cher. Je vois. Et les taxis Oui, il y a une station de taxi devant cet office de tourisme, et il faut environ une heure. Mais cela va être beaucoup plus cher que les bus. Car ils utilisent la voie rapide et ils font payer en plus pour de gros bagages. Oh, je ne m'attendais pas à cela. C'est trop cher pour moi. Au fait, avez-vous acheté quelque chose au shopping plaza pendant la journée Ils offrent le service de navette gratuit du plaza jusqu'à l'aéroport pour les clients ayant effectué des achats. Waouh, je ne savais pas cela. Je n'en ai pas encore fait, mais j'allais acheter des souvenirs dans tous les cas. Donc, vous pourrez utiliser cela Où va-t-elle aller ensuite Une femme demande à un homme dans un office de tourisme comment aller à l'aéroport. Où va-t-elle aller ensuite Excusez-moi, j'aimerais aller à l'aéroport. Pourriez-vous m'indiquer comment y aller Bien sûr, il y a plusieurs façons pour y accéder. Si vous prenez le bus numéro 1, cela vous prendra environ une heure et demie pour arriver à l'aéroport. Mais le tarif est le moins cher. Si vous prenez le bus numéro 2, cela vous prendra environ cinquante minutes, car c'est un bus non-stop, mais il part une fois par heure. C'est un peu plus cher. Je vois. Et les taxis Oui, il y a une station de taxi devant cet office de tourisme, et il faut environ une heure. Mais cela va être beaucoup plus cher que les bus, car ils utilisent la voie rapide, et ils font payer en plus pour de gros bagages. Oh, je ne m'attendais pas à cela. C'est trop cher pour moi. Au fait, avez-vous acheté quelque chose au shopping plaza pendant la journée Ils offrent le service de navette gratuit du plaza jusqu'à l'aéroport pour les clients ayant effectué des achats. Waouh, je ne savais pas cela. Je n'en ai pas encore fait, mais j'allais acheter des souvenirs dans tous les cas. Donc, vous pourrez utiliser cela. Un homme fait un rapport sur les performances de vente de son entreprise lors d'une réunion. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation Regardez le document, s'il vous plaît. Le graphique de gauche montre les ventes de l'entreprise sur les trois dernières années et les prévisions de ventes pour l'année présente. Le graphique de droite montre la chute des ventes jusqu'au mois d'octobre de cette année. Maintenant, revenons au graphique de gauche. Il montre que les ventes ont augmenté progressivement sur les trois dernières années. Si nous pouvons maintenir l'augmentation des ventes cette année, on dépassera le total des ventes de l'an passé. Regardons encore le graphique de droite. Il montre que les campagnes que nous avons faites en avril et août ont été plutôt efficaces. Je vois, mais les ventes ont décliné en mai et septembre juste après les campagnes. Oui, mais ce genre de rebond est inévitable. Je pense que les ventes annuelles pour cette année vont dépasser celles de l'an passé si nous continuons sur cette lancée. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation Un homme fait un rapport sur les performances de vente de son entreprise lors d'une réunion. Quels sont les deux graphiques qu'il utilise pour sa présentation Regardez le document, s'il vous plaît. Le graphique de gauche montre les ventes de l'entreprise sur les trois dernières années et les prévisions de vente pour l'année présente. Le graphique de droite montre la chute des ventes jusqu'au mois d'octobre de cette année. Maintenant, revenons au graphique de gauche. Il montre que les ventes ont augmenté progressivement sur les trois dernières années. Si nous pouvons maintenir l'augmentation des ventes cette année, on dépassera le total des ventes de l'an passé. Regardons encore le graphique de droite. Il montre que les campagnes que nous avons faites en avril et août ont été plutôt efficaces. Je vois. Mais les ventes ont décliné en mai et septembre juste après les campagnes. Oui, mais ce genre de rebond est inévitable. Je pense que les ventes annuelles pour cette année vont dépasser celles de l'an passé si nous continuons sur cette lancée. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.